sans vouloir avoir l'air de celui qui enfonce le clou et qui shot le shérif, hein, qui tire sur l'ambulance, si vous préférez. Là, depuis le match d'hier soir, il y a double Brexit. Hein, oui. Comme vous l'avez si bien dit depuis ce matin, Pascal. Hein, c'est vrai. Vous pourriez prendre ma place, vous savez. Ça serait comme un tot-exit, en fait, pour vous. Hein. Mais là, votre compte en banque connaîtrait un crack immédiat et vous devriez revendre votre maison et des tas de migrants. Viendraient faire un barbecue géant dans votre jardin pour manger vos enfants. Bref, en tout cas, entre le Brexit et l'Islande, on en est à Europe 2 points, Angleterre 0. Oui. Ah. Puis là, ça a été plus vite que la sortie de l'Europe, qui va prendre 10 ans environ. Hein. Là, 90 minutes, Leave the Euro par les Islandais, des hommes glaçons. Décidément, c'est pas des trucs, c'est pas leur truc aux Anglais, les glaçons. Hein. Le Titanic, pan, l'Euro 2016, pan, voilà. Et là, je ferai remarquer qu'à chaque fois, il y a un type qui s'appelle Cameron dans le coup. Hein. James Cameron, le Titanic, David Cameron, le Brexit. C'est pas mal. Ah, elle est belle, celle-là. Celle-là, elle est belle. N'empêche que j'aimerais pas être à leur place. Hein. Et j'aimerais bien leur dire ce matin, don't worry, be happy. Voilà. Vous verrez, un résultat, un référendum, ça passe tout seul. Nous, la dernière fois qu'on a fait un référendum, on a dit non. Et tout le monde a eu peur. Et puis après, on nous a dit, bon, les enfants, ce qu'on va faire, on va oublier tout ça. Hein. Oui. Vous n'avez pas donné la bonne réponse. On va y passer, oui, la bonne réponse. Vous avez perdu. Ah bah oui, ça c'est le jeu, les enfants. À la baraque à quiz, quand c'est la question fricadelle, si on répond pas juste, eh ben on a perdu. Ah, voilà, ça. Bah voilà. Et là, aux Anglais, on va leur dire, bon, les mecs, quand on vous demande s'il faut remain ou leave ou pas dans l'union, c'est pour faire genre. Il fallait dire, on remain. Là, on frôle le clash. Should I stay or should I go? Deux références. Oui, non, je vrai. Dis rien, c'est pas les grave. Les clashs. Vous n'allez pas me dire que vous l'avez cru, le type qui vous a promis 350 millions d'euros à la Sécu. Vous croyez vraiment qu'il l'aurait dit si le livre avait été la bonne réponse? Quand il a vu le résultat du référendum, il a dû se dire « Shit, I made a big bullet ». Et il parlait des 350 millions, bien sûr, le reste ne nous regarde pas. Ouais. Dans tous les cas, quand on dit « Shit, I made a big bullet », on s'inquiète, c'est humain. Voilà. Après, est-ce que ça va nous arriver? Le Frexit. On dirait une marque de mousseux. Ah, c'est vrai. Hein ouais. Le Frexit. Mais ça ne nous arrivera pas. Il n'est pas question qu'on se fasse sortir par des glaçons. Nous. D'abord, nous, on a eu un paquebot, le France. Ouais. Bah, les icebergs, on s'en servait pour l'apéro. Ou Ernaud des chochottes, nous. L'euro, on ira jusqu'au bout. Et le Frexit, on va le laisser au frais. On le sortira pour une grande occasion. Tiens, en 2017, pour le Hollande Exit. Oui. Ah là, on va faire péter des bulles. Hein. C'était votre question, c'était ma réponse. Et faites-moi plaisir, soyez heureux, au moins pour aujourd'hui.